Bonjour, voici une petite vidéo parce qu'on m'a posé plusieurs questions sur l'interprétatif et sur le fonctionnalisme. Donc voilà comment ça fonctionne. Dans les courants qu'on voit, dans les sciences humaines, il y a des manières de penser. Il y a des modes de pensée qui sont liés à des façons, des croyances même de chercheurs, comme le Père Noël et les licornes, ça marche de la même manière. C'est des croyances qui font que les chercheurs vont penser d'une certaine manière. Donc on a d'un côté les fonctionnalistes, ce sont les personnes qui fonctionnent dans le terme fonction. Donc, ils pensent en termes de système, ils pensent en termes de structure, ils pensent souvent dans des systèmes qui sont figés. De l'autre côté, on a le système interprétatif, et là, on s'intéresse au sens. Quel est le sens que les gens donnent à leur action, à leur vécu, à toutes sortes de choses qu'ils font dans leur vie au quotidien? Donc, en réalité, c'est plus complexe que ça. Il y a bien sûr des gens qui sont entre les deux. Mais là, ce que je vais vous faire dans cette vidéo, c'est que je vais essayer de faire des généralités et de les séparer en deux, de vraiment les mettre d'un côté et de l'autre et qu'ils ne soient pas compatibles. Donc, on pourrait dire que l'interprétatif, c'est du feu, le fonctionnalisme, c'est de la glace, si c'est un chien, c'est un chat, c'est du bleu, c'est du rouge. Moi, je vais vraiment vous les séparer maintenant pour bien que vous compreniez le fonctionnement, parce que ça va vous aider dans les différents cours et puis ça va permettre aussi d'avoir une cohérence. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ces deux courants, le fonctionnalisme et l'interprétatif, il est dans quasiment toutes les perspectives que nous avons vues, qu'on peut voir en fait en règle générale, en communication, dans la perspective culturelle, dans la perspective critique ou dans les ressources humaines. Donc on les a partout. Il y a une différence qui est importante, c'est que si vous vous positionnez en tant que fonctionnaliste ou si vous vous positionnez en tant qu'interprétatif, vous n'allez pas voir les mêmes phénomènes, vous n'allez pas voir la même chose. Car le travail du chercheur, c'est de saisir les phénomènes, de les cadrer, de les définir et surtout de les expliquer. Donc, selon votre positionnement, selon quel choix vous allez faire, vous allez déterminer un peu la manière dont vous allez voir le phénomène. Donc, si on parle de la perspective culturelle, on voit deux différences qui sont claires et nettes. Dans la perspective fonctionnaliste, la culture, c'est quelque chose que l'on a, qu'on possède. Dans la culture interprétative, c'est quelque chose qu'on construit. Donc on voit une nette différence, c'est que si on voit la perspective culturelle de manière fonctionnaliste, cette culture, on la transmet, on la donne. Je la donne à mon voisin, tiens, voilà, prends ma culture. Les valeurs, tout ça sont transmises directement dans des structures qui sont plutôt fixes. Si on le pense de manière interprétative, c'est les gens qui donnent du sens. Et donc s'il y a des événements, s'il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre structure, ça peut modifier profondément le sens. Donc, ça fonctionne exactement de la même manière dans toutes les perspectives. Le but du jeu à vous, en tant qu'étudiant, en tant que chercheur, c'est d'essayer de, dès le départ, les séparer. Donc, une des principales erreurs que vous faites dans vos revues de littérature ou dans vos projets de recherche, c'est de les mélanger. Vous les mélangez les unes aux autres et ça donne de l'incohérence. Vous ne pouvez pas avoir du feu et de la glace dans le même endroit. C'est ou du feu ou de la glace. Donc, ce qui se passe, et ce que moi je vous conseille de faire, c'est que lorsque vous construisez une revue de la littérature, déjà de repérer, est-ce que dans vos articles, il y a plus une question de sens ou est-ce qu'il y a plus une question de système ou de structure? Donc, c'est important de comprendre que c'est des courants qui ont évolué. Donc, l'interprétatif, il est issu des années 60. C'est quelque chose de plus récent parce que, comme vous le savez, il y a eu des révolutions importantes dans le domaine des sciences, dans le domaine social dans les années 60. Et ce qui s'est passé, c'est que les philosophes et de nombreuses personnes ont retiré ont essayé de se débarrasser de ce qu'on appelait les structures traditionnelles, la famille, la religion, l'État, etc. Et il y a eu une nouvelle vague de chercheurs qui se sont dit, OK, si on retire la structure, si on retire une famille, si on retire la structure de la famille, comment on fait une famille? Comment les individus qui sont ensemble font du sens de ce que c'est qu'une famille? Ce qu'on peut comprendre dans le système interprétatif, c'est qu'en fait, les gens, ils donnent du sens. Ensemble, par consensus, ils se mettent d'accord et ils disent voilà, ça c'est une famille. Dans l'autre système, on vous dirait non, non, une famille c'est ces règles-là et ça fonctionne comme ça. Donc, je vais vous proposer un exemple très concret qu'on voit aujourd'hui, c'est l'exemple par exemple du tatouage. Donc, si vous êtes un chercheur qui pense le tatouage de manière fonctionnaliste, vous direz les gens se tatouent aujourd'hui pour appartenir à une tribu, un gang, un groupe. C'est pour ça qu'ils se tatouent. Si vous réfléchissez le tatouage de manière interprétative, donc du sens, vous allez poser la question aux gens, pourquoi ils se tatouent? Et les gens, ils vont vous dire, parce que j'ai vécu quelque chose de traumatisant, et ça m'a donné
une énergie nouvelle de me tatouer. Des personnes vont vous dire, bah, moi j'ai eu des enfants, j'ai voulu marquer ça dans ma chair. Il y a différentes manières d'interpréter le tatouage qui n'est aucun rapport avec la tribu, le clan, etc. Ça, c'est plus les interprétatifs qui vont faire ce genre de travail. Donc, vous, c'est très important en tant que chercheur et futur chercheur de ne pas faire les erreurs qu'on pourrait dire classiques que n'importe qui fait, même des chercheurs renommés, même moi-même. On fait toujours cette erreur, c'est que quand on construit une revue de la littérature, on a tendance à les mélanger. Et ça, c'est mal. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut vraiment pas faire ça parce que vous perdez en cohérence. Donc, ce qui est important pour vous, et je vais le répéter encore une fois, ce qui est important pour vous, c'est de savoir quelle est votre croyance profonde. Est-ce que vous pensez que les sociétés, les groupes et les cultures sont dans des structures et qu'il faut garder ces structures, des modèles? Ou est-ce que vous pensez que la société, les individus, les phénomènes, eux, sont liés au sens? Alors, ça nous emmène où? Ça nous pose à la question de la communication. Quel est le rôle de la communication dans ces structures? Donc, si on est dans le modèle fonctionnaliste, la communication sera toujours vue d'une manière plutôt physique, plutôt structurée et qui ne change pas beaucoup. Donc, on pourrait dire, pour une université ou pour une entreprise, les valeurs qu'elle met sur un tableau, qui sont écrites, qui sont claires et nettes, tout le monde est au courant. Quand vous rentrez dans l'entreprise, les règles sont appliquées, les valeurs sont mises, et vous avez juste à les suivre. Et si vous êtes dans une communication qui est liée au sens, là, c'est complètement différent. Il faut aller poser la question aux gens. Quel est le sens qu'eux, ils donnent à leur culture, par exemple? Comment ça fonctionne? Et on comprend et on sait aujourd'hui qu'il y a des sous-cultures qui modifient le sens général de la culture. Donc, je présume que chez Google, il n'y a pas les règles écrites. C'est les gens qui construisent les règles de Google en même temps que l'entreprise. Tandis que si on prend une université, les règles sont pré-construites avant que les gens rentrent dedans. C'est ça la grosse différence. Après, c'est à vous de choisir. Moi, je ne peux pas choisir pour vous. Je peux juste vous aiguiller, vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est à vous de faire le choix. Est-ce que vous êtes de ce côté-là ou de ce côté-là? Et surtout, ne les mélangez pas. Voilà. Merci.